Salut, salut à tous et bienvenue sur ta chaîne de Gracia Manicure. Oh my baby, got me staring at you. So I'm crazy, watch you bend that back for me. We won't stop, got your feet both locked. You get to fly with me. Bonjour tout le monde, voilà, on est en début de semaine et je suis vraiment content de tourner cette vidéo pour vous. Je vais vous montrer une vidéo que j'ai déjà montrée il y a 3 ans passés, hein. Voilà, en 2018, je vous avais montré 10 choses qui me font du bien. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner sur mon Instagram et bien sûr, si tu veux pas rater les vidéos qui vont arriver, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche, abonne-toi et partage. J'espère que tu pourras te retrouver et ce sont des choses que peut-être que tu ne pensais pas et à toi ça te fera certainement peut-être du bien. Ça, c'est à toi de voir. Première chose qui me font du bien dans ma routine, mon moment de prière du matin. C'est devenu quelque chose de très mécanique, vraiment, voilà. C'est quelque chose que je faisais depuis des années, mais la prière du matin, c'est quelque chose qui est important. Pour moi, vraiment, parce que ça renforce ma foi, ça me fait vraiment du bien le matin. Et c'est ce qui me réveille surtout, parce que ça me dit, sors du lit, tu dois sortir du lit, Dieu est déjà là à sa place, donc toi tu dois y être. À l'heure. Quelque chose qui me fait énormément du bien, hein. Je pense que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est ma priorité. Prier le matin ensemble me fait énormément de bien. Bien sûr, la prière du matin aussi avec ma famille, mon mari, mes enfants, ce sont des choses qui sont idéales pour moi, qui me fait vivre vraiment dans une protection spirituelle, que je me sens vraiment forte, aussi physiquement, hein, bien sûr, parce que je pense que le spirituel agit sur le physique, sur le monde matériel aussi. Et c'est important de bénir ma journée. C'est important que je remette ma journée entre les mains de Dieu. Ensuite, seconde chose qui me fait du bien dans ma routine, de prendre une bonne douche dès le matin. Ça fait du bien, vraiment très tôt le matin, ça fait vraiment du bien. Pourquoi ? Parce que ça rafraîchit, ça me renforce vraiment les muscles, ça me dégage. Ensuite, la douche froide, hein, voilà, qui réveille vraiment le matin. Pas toujours évident de se réveiller le matin et de se dire voilà, il y a une journée qui recommence, il y a encore une routine qui va recommencer et le lendemain ça va être la même chose. Non, la douche du matin, c'est vraiment le moment où il y a tout ce qui vient du lit de la nuit et le confort du lit là, ça s'enlève vraiment dans la douche. Donc vraiment, c'est ce qui me fait vraiment du bien. Le matin, c'est la douche du matin, c'est la douche froide, on va dire, après, parce que je me douche avec de l'eau normale, mais ensuite je me rince à l'eau froide. Et donc ça fait partie vraiment des routines que j'aime énormément. Troisième chose que j'aime aussi, c'est de prendre des notes le matin sur ma matinée. Soit je le fais la veille avant de dormir, mais si je ne l'ai pas fait avant de dormir le soir, je le fais le matin. Vraiment le matin, quand les enfants sont partis à l'école, faire ma to-do de la journée, les choses que je dois faire, regarder mon agenda, voir les programmes de la journée. Parce que mes journées sont structurées. L'horaire n'est pas toujours respecté, mais c'est important de voir vraiment ce que je dois faire dans la journée pour anticiper les choses, anticiper les choses qui peuvent prendre plus de temps, mettre en priorité ce qui est important en début de journée. C'est vraiment ça que j'aime énormément dans ma routine, en troisième place, dans mes journées vraiment quotidiennes de tous les jours. Quatrième chose sur les choses qui me font du bien. J'étais en train de réfléchir parce que je me suis dit, j'ai fait quand même une liste de 10 choses, il y a beaucoup de qui me font du bien, mais là je fais vraiment comme ça à l'improviser. Quatrième chose qui me fait du bien au quotidien dans ma routine, c'est lorsque je prends mon vendredi. Pour ceux qui ne savent pas, les vendredis sont mes journées à moi, c'est les journées où je prends mon temps, c'est mes jours off, c'est mes jours à moi. Voilà, je mets même pas de rendez-vous le vendredi, je mets pas de travaux en surcharge, à moins qu'il y ait un truc exceptionnel ou quoi que ce soit. C'est mon jour où il faut pas me déranger. C'est le jour où voilà, je suis avec les miens.
Les vendredis, c'est vraiment mon jour, moi-même, pour moi-même, avec moi-même, où je sors avec moi-même, c'est les vendredis. Je prends mon temps où voilà, je me fais un petit plaisir, que ce soit dans mon plat préféré, dans ma boisson préférée. Je regarde un film qui va me faire du bien, je sors, je me promène. Je me chouchoute vraiment les vendredis, c'est les jours où vraiment je prends du temps pour moi. C'est les jours aussi où je fais souvent les shopping. Pour moi, si je te donnerais un conseil un jour dans la semaine qui peut te faire du bien et te dire si tu as la possibilité de le faire, peu importe, hein, l'idéal c'est de le faire de lundi à samedi parce que le dimanche c'est un jour de repos, c'est un jour consacré, un jour à part. Ça c'est pour moi personnellement. Choisir un jour où tu sais que voilà, t'as une heure pour toi, t'as une heure où tu peux sortir avec toi-même, t'as une heure où tu te donnes rendez-vous, ou une journée comme moi entière où je me donne rendez-vous à moi-même et voilà. La cinquième chose qui me fait du bien dans ma routine, de voir les gens heureux d'une manière générale, de recevoir de bonnes nouvelles durant surtout cette période et surtout les moments qui viennent d'arriver. Je pense que comme tout le monde, hein, comme toi, j'ai eu ma dose de mauvaises nouvelles, ma dose de lamentation, de peur et de crainte. Et je pense que vraiment le fait de ressentir le bien-être autour de moi, d'offrir de l'hospitalité, voilà, c'est plutôt ce que je voulais dire, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien d'avoir la libéralité d'aider les autres, d'être là, juste présent pour quelqu'un, de sourire à quelqu'un, de saluer quelqu'un, de dire merci, de regarder droit à la personne dans les yeux, de lui demander qu'est-ce que tu aimerais avoir, qu'est-ce que je peux t'apporter, qu'est-ce qui te ferait du bien. Conversation, de comprendre ce que la personne aimerait, voilà, et si tu as la possibilité de lui offrir quelque chose au-delà de ce qui pourrait s'attendre. Mais lorsque j'ai la possibilité d'aider quelqu'un, vraiment, d'être gentil avec une personne qui n'est pas super sympathique avec toi, c'est pas toujours gay, bien sûr, mais d'avoir le cœur là, de faire du bien à quelqu'un tout simplement. Ça me fait du bien à ma conscience, ça me fait du bien à mon cœur, me dire que voilà, c'est ça qui donne aussi le sens à la vie, c'est pas de vivre seulement pour soi-même et de se faire du bien à soi-même, mais vraiment de faire du bien à quelqu'un. Dixième chose qui me fait du bien, ça peut avoir l'air d'être un peu bizarre, hein, mais je vous dis vraiment sincèrement, c'est le repassage. Je sais pas pourquoi ça peut être bizarre, ouais, Greta, t'es vraiment spécial. Le repassage me détend. J'aime bien repasser devant un film, devant une série. J'ai l'impression de remettre les choses à... remettre les choses à leur place me rassure. Je sais pas si c'est vraiment ce que je peux dire, mais le repassage pour moi c'est quelque chose qui est très détendant, c'est une activité qui me détend. On me dit, les peu de fois que je vais la voir, on me dit mais comment t'as des enfants et tu passes ton temps à repasser leurs vêtements et tout, ça te prend du temps, même mes draps je les repasse et bah voilà, moi je sais pas, l'activité en elle-même qui me plaît. Donc bref, c'est un truc que je... Septième chose, j'aime bien écouter des podcasts. Je pense que je l'ai déjà dit dans une des vidéos de prédication. J'aime ça, j'aime écouter tout ce qui est motivation, tout ce qui est développement, tout ce qui est économie, évoluer dans la vie, surtout dans l'argent, dans la gestion financière. J'adore. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, je suis abonné chez Kruber chaque année. Chaque mois, je lis des livres, des résumés de livres énormes. Je n'ai pas de partenariat avec eux. Si ça t'intéresse de savoir qu'est-ce que c'est cette application, n'hésite pas à aller télécharge là, mais vas-y, je t'encourage d'aller voir, c'est des trucs super intéressants, c'est des livres vraiment super intéressants, t'as des autobiographies, t'as des biographies, de la documentation, vraiment la totale. Je sais même pas comment t'expliquer parce que moi je suis tellement dans l'économie, dans les finances, dans la motivation productive et tout ce qu'il faut dans Kruber. Donc vas-y, télécharge l'application, tu ne seras pas déçu si tu aimes la lecture. Si tu n'aimes pas la lecture, laisse tomber, mais tu peux toujours avoir cette application là parce que une application audio, tu peux faire quelque chose là pendant que tu es dans les transports, pendant que tu es dans ta voiture, pendant que tu fais tes courses, pendant que tu fais ton sport. Kruber, c'est le top du top. La huitième chose qui me fait du bien quand je passe des moments avec ma maman. Voilà, quand maman vient à la maison, j'ai l'impression d'être comme un bébé. Et maman, j'adore ces moments entre mère et fille ou même quand on est avec mes frères et sœurs. Mais j'aime beaucoup quand
maman vient chez moi. Je suis vraiment encore un bébé. Je resterai un bébé toute ma vie. J'aime ces moments-là. Ça me permet de me retrouver. Et voilà, parce que j'ai de la chance que ma mère soit là encore et qu'elle s'occupe de moi. Et elle fait tout pratiquement. Même quand elle est crevée, donc je suis habituée. C'est des moments vraiment que j'adore privilégier dans ma semaine. C'est le jour où maman passe à la maison. C'est une bénédiction, c'est une grâce. Et c'est des moments que je veux en profiter un maximum. Neuvième chose, avant-dernière chose qui me fait du bien, c'est lorsque je prends soin de moi tous les jours. Hein. Ça me permet de me retrouver moi-même d'abord en tant que fille, en tant que femme. J'ai envie de me maquiller, j'ai envie de me faire belle, sortir voir une amie ou qu'une amie vienne boire du café, tout ça, avoir une vie privée, une vie personnelle en dehors de tout, en dehors même de ma famille, donc ça fait du bien. J'ai pas envie de me faire les ongles moi-même, je vais à la stick pour me faire les ongles, ces temps-là, ça fait du bien. Une coiffeuse, elle vient te coiffer à la maison, c'est des moments que j'adore. Quand Fabrice prend soin de moi, ça fait partie des moments où je me dis, s'il prend soin de moi, c'est comme moi-même, je me prends soin de moi. Je suis un peu égoïste, hein. Mais bon, soit on s'en fout. T'es entre nous. Se sentir soigné, tout simplement. Je dois mettre des vêtements de marque, je dois être chic du lundi au dimanche, que voilà, ça sert à rien, le m'as-tu vu, le... Voilà, non, le fait que tu te sens bien dans tes vêtements, tu te sens bien dans ta peau, tu te sens bien dans ton corps, tu mets un parfum qui est repris, ça fait du bien. Tu vas de temps en temps chez la coiffeuse, maintenant les coiffeurs ont permis d'ouvrir ici en Belgique, va un peu te faire coiffer, si tu as la possibilité, bien sûr, de le faire. Ça fait partie des choses qui font du bien au moral. C'est pas seulement au physique, hein, pour que tu sois belle, que ça te fait du bien psychologiquement. Et je pense que les choses doivent suivre dans tous les sens du terme. Donc, pour être bien dans son corps, dans son physique, il faut être bien dans sa tête. Et je pense que je l'ai déjà dit aussi dans d'autres vidéos. Je pense que je vais continuer à le dire parce que ce sont des choses qui sont vraiment vraies et qui sont réelles. De se sentir bien, de se faire du bien, en fait. Et enfin, dixième et dernière chose qui me fait du bien, c'est lorsque je tourne ces vidéos-là sur YouTube, lorsque je tourne Gracia Manicure, Gracia Lifestyle. C'est le moment dans la journée voilà, que je consacre à ce travail-là. C'est le plaisir que j'ai à partager ces vidéos-là, que je prends le temps à programmer. Vous voyez, j'ai juste à côté mon nouveau, je l'ai depuis septembre, hein, mais c'est un weekly planner où je mets à chaque fois à l'avance toutes les vidéos qui sont publiées, toutes les vidéos que vous me demandez. Gracia fait des vidéos montage, comment tu fais les montages, tout ça et tout, c'est en programme, ça va arriver. De programmer, de faire toutes les choses bien, pas juste pour balancer une vidéo parce que voilà, c'est un engagement, mais faire les choses bien aussi. Ça faisait un petit moment que j'ai pris une pause pour la publication sur Gracia Manicure et même sur Gracia Lifestyle d'ailleurs, tout simplement pas parce que j'avais disparu. Et merci pour vos messages, je suis avec vous et je le serai encore, hein, ne vous en faites pas, on a encore du chemin à faire ensemble. Merci pour ceux qui me connaissent depuis le début de Gracia Manicure, on est ensemble et vraiment ça fait vraiment plaisir. Et pour dire que le but de Gracia Manicure ou sur Gracia Lifestyle n'est pas juste pour être sur YouTube et me faire de l'argent, pas du tout. Je pense que pour la plupart et pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment pas le but de gagner de l'argent sur YouTube. Oui, bien sûr, j'en gagne, mais c'est pas ça l'objectif premier. D'ailleurs, je tiens à vous remercier pour ceux qui ont répondu au sondage sur Instagram. Si tu n'es pas abonné à mon Instagram, vas-y, va me voir là-bas en story. Je partage de temps à autre des avis et tout ce qu'il faut. Et parfois, je pose des questions. Et bientôt, je vais relancer la période des lives pour les talents et pour les personnes qui aiment ce qu'ils font dans la vie. J'espère en tout cas que vous serez nombreux pour les suivre, pour suivre ces lives-là qui viendront certainement pour fin mars, début avril. Bref, j'ai pas encore mis ça en programme, donc je ne vous promets encore rien au niveau de la programmation sur Instagram. Et moi, ça me fait plaisir de me regarder face à la caméra, d'avoir des retours des gens qui sont de très loin, du Cameroun, j'ai vu, Côte d'Ivoire, Maroc, il y avait Guyane aussi, l'île de la Réunion. Je vous aime, RDC Congo, RDC Brazzaville, Gabon, Belgique, bien évidemment, hein, nos amis belges. Bien sûr que les Belges, vous me suivez. Hein. La France, vraiment, vous êtes toujours là, la France. Ça fait longtemps que vous me manquez, c'est un truc de ouf. On arrive, on arrive.
Et voilà, j'ai hâte de faire les vlogs en dehors de ce confinement. Mais en même temps, c'est pas ce qui va nous empêcher de vivre, c'est pas ce qui va nous empêcher de nous aimer et de nous partager ce qu'on, nos motivations, nos inspirations et tout ce qui est bien, tout ce qui nous font du bien, tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui nous fait du bien. Voilà, j'essaie de bien construire ma phrase. Enfin, dites-moi si j'ai dit une erreur. Pour tous les pays que j'ai pas encore cités, ne vous en faites pas, je vais commencer à vous citer. Merci à vous tous les abonnés de Gracia Manicure, vous êtes nombreux, de plus en plus nombreux, on approche les 6000. Et je suis contente parce qu'il y a beaucoup de garçons qui ont répondu aux commentaires de la vidéo sur les femmes, le type de femmes à éviter. J'ai vu que vous aimez ça. Dites-moi le genre de sujet que vous voulez que je développe, les hommes. Gracia Manicure n'est pas juste une chaîne pour les femmes, contrairement à Gracia Lifestyle qui est plus féminine. N'hésitez pas à vous exprimer. J'ai été vraiment ravie de vos derniers commentaires que je vous mets là en écran. Et je tiens vraiment à vous remercier. Dernièrement aussi, j'ai vu la vidéo que j'ai fait début de l'année avec Fabrice, Tonton et Tantine. Hein, voilà, pour ceux qui nous connaissent dans le nom de Tonton et Tantine. J'avais dit que si ça dépasse les 10 likes, on fera un autre sujet où on va partager avec Fabrice, bien sûr, on va le faire. Si vous voulez qu'on fasse des tags, si vous voulez qu'on fasse des challenges de couple, si vous voulez qu'on parle de couple, si vous voulez qu'on parle de ce que vous voulez, de ce que vous aimez. Alors, la vidéo t'a plu ? N'oublie pas de t'abonner. Et ben voilà, la vidéo est arrivée à sa fin. J'ai cru que cette vidéo n'allait pas arriver à sa fin. Mine de rien, j'ai pris 15 minutes quand même à la tournée. J'étais en train de me chronométrer en regardant parce que j'attends ma soeur qui va arriver. On va passer un bon moment ensemble. Ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Vous voyez, donc c'est début de la semaine. Au moment où vous allez voir cette vidéo, en tout cas lorsque vous allez tomber dessus en premier, ça sera publié en début de semaine. C'est vraiment une vidéo improvisée pour les nouveaux abonnés qui voudraient un peu plus apprendre à me connaître, faire une mise à jour, titres qui peuvent revenir dans les années à venir. Et ça fait plaisir à tourner. En tout cas, je te souhaite une excellente journée, une excellente après-midi, une excellente soirée, une très belle nuit. Peu importe le moment où tu regarderas cette vidéo, une belle semaine, vu qu'on est en début de semaine, lorsque tu regarderas certainement cette vidéo, ou une bonne fin de semaine. Peu importe le moment où tu regarderas encore une fois cette vidéo, je te retrouve à mercredi. Reviens mercredi pour une prochaine vidéo. Et déjà demain, sur Gracia Lifestyle, si tu veux pas manquer la vidéo qui viendra demain sur Gracia Lifestyle, reviens demain, on sera ensemble. Je te retrouve mercredi. Bisous.